Donc, voici l'exercice 20, page 288. À chacun son rythme, c'est-à-dire qu'on va avoir ici deux types de questions. Soit un énoncé compact, c'est-à-dire une seule question pour laquelle il faudra un raisonnement à étapes multiples pour pouvoir y répondre, ou alors un énoncé détaillé où on répond tranquillement à la première, deuxième et à la troisième question pour finalement avoir la réponse à la dernière question. Ensuite, donc on nous dit dans un capteur électrique, on alimente le dipôle résistif dont la résistance R3 dépend d'un paramètre extérieur, avec le montage ci après. Donc ici R3, c'est donc un capteur. Donc c'est un dipôle résistif, ça veut dire que c'est un résistor, mais dont la valeur de la résistance R3 va changer. Elle peut changer en fonction de la température, en fonction de la luminosité. Nous avons déjà vu des capteurs dans les activités. On a étudié la thermistance, dont la valeur de la résistance change en fonction de la température. Donc on alimente avec ce circuit. On a ici une source de tension, c'est-à-dire un générateur. On a ici un ampèremètre qui va nous permettre de mesurer l'intensité du courant. On a un conducteur ohmique et ici un deuxième conducteur ohmique dont on connaît la valeur de la résistance. Ici, la valeur de la résistance n'est pas connue parce qu'elle change en fonction par exemple, de la température. Du coup, ben, on ne nous l'a pas donnée. Et elle n'est pas connue d'entrée de jeu. Il faut faire une mesure ou un calcul et c'est par le calcul qu'on va essayer de la retrouver. En fait, ici, non. On pourrait la retrouver, aller jusqu'à la retrouver, mais là, on va nous demander de déterminer I2 et I3, les courants I2 et I3 qui circulent ici. Donc, le raisonnement va suivre les questions 1, 2, 3. Donc, je vais vous détailler en faisant les questions 1, 2 et 3. Donc, utilisez la loi d'Ohm pour déterminer la tension UCD. La tension UCD, c'est la tension qui traverse donc le conducteur ohmique R1. Donc, la loi d'Ohm nous dit que la tension UCD est égale à R1 fois I1, parce que U et I, pour un conducteur ohmique, sont proportionnels, avec R le coefficient de proportionnalité. Donc, en fait, je connais R, je connais I, parce qu'on me dit que l'ampèremètre mesure une intensité de 6,0 milliampères. Et en fait, je vois que dans toute cette branche, on a deux nœuds ici, on a le nœud E, le nœud D. Les autres sont des points du circuit simplement. Je vous rappelle qu'un nœud, c'est un point de connexion entre trois dipôles. Donc à 1, 2, 3 dipôles ici qui se rejoignent, au moins 3 dipôles, et 1, 2, 3 dipôles qui se rejoignent au point D et au point E. Donc les nœuds, ce sont les points E et D. Pardon. Donc, ça veut dire que l'intensité du courant est la même dans les branches, c'est-à-dire les parties de circuit entre deux nœuds. Donc, entre les points E, F, B, C, D, l'intensité du courant est la même. Donc, vu qu'on mesure l'intensité du courant ici avec l'ampèremètre, eh bien, cette intensité du courant, c'est I1. Elle vaut 6,0 milliampères. Donc, je connais I1, 6,0 milliampères. Je connais R qui vaut 1,0 kilo-ohm. Et attention, on va utiliser les bonnes unités. La tension est en volts si la résistance est en ohms et pas en kilo-ohms, donc il va falloir faire une conversion. Et si l'intensité du courant est en ampères et pas en milliampères. Donc je vais convertir 1 kilo-ohm en ohms, c'est-à-dire kilo, il faut faire fois 1000. Donc je multiplie par 10 puissance 3. Ensuite, je multiplie par I, qui est en milliampères, donc c'était 6,0 milliampères. Donc pour le passer en ampères, de milliampères en ampères, je multiplie par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire je divise par 1000. Et en fait, le fois 10 puissance 3 et fois 10 puissance moins 3 s'annulent. Il me reste 6 fois 1, ça fait 6. Pour être précis, avec deux chiffres significatifs, ça fait 6,0 volts. Attention aux unités, la tension est en volts. Donc j'ai retrouvé donc la tension UCD aux bornes du conducteur ohmique numéro 1. En déduire la tension UDE à l'aide de la loi d'Émile. Donc on me demande d'utiliser la loi d'Émile. Il faut que je détermine donc dans quelle maille je vais utiliser cette loi et le sens de parcours et le point de départ pour pouvoir établir ma loi d'Émile.
Donc, je dois. Donc, on me dit d'en déduire. Donc, la tension UCD va être importante. Donc, je dois faire intervenir UCD. Et je cherche UDE. Donc, DE, que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est bien la tension UDE. C'est la même. Parce que c'est bien la tension entre deux points. On a deux chemins possibles pour aller à ces deux points. Il y a donc la tension en passant par ici ou la tension en passant par là sera forcément égale. Eh bien, je vais me placer dans la maille F, B, C, D, E, F. Donc F, B, C, D, E, F. Donc ici, dans cette maille-là. Si j'avais fait cette maille ici, ça aurait été exactement la même chose, il n'y aurait eu aucun changement. Donc le point de départ, c'est le point F, et encore une fois, on peut choisir ce qu'on veut, et on est parti. Donc je vais tourner, donc là je vais rencontrer la tension UAF dans le bon sens, donc ça va être plus UAF. Ensuite je vais rencontrer la tension UCD dans le bon sens, donc ça va faire dans le mauvais sens, pardon, parce que UCD pointe vers la lettre C. Et là, vu qu'elle n'est pas représentée, c'était à nous à la représenter ou à bien le penser en remplissant. Donc la tension UCD pointe vers la première lettre, c'est-à-dire pointe vers le C. Donc elle est opposée au sens de parcours, donc ça va être moins UCD. Et la tension DE pointe vers la lettre D, donc aussi à l'opposé du sens de parcours. Donc ça va faire UAF moins UCD moins UDE égale 0. Donc la loi des mailles, la somme algébrique des tensions dans une maille est égale à 0. Algébrique, pourquoi? Parce que les tensions peuvent être notées positivement ou négativement, suivant le sens de parcours. Ensuite, il y a des tensions que j'ai oubliées. Il y a la tension BC, la tension EF que j'ai zappé. Ce sont des tensions aux bandes de deux fils de connexion. Ces tensions sont égales à 0, donc je les ai laissées. Comme la tension UAB, qui est la tension en borne de l'ampère-mètre, cette tension vaut aussi 0. La tension en borne d'un ampère-mètre vaut 0, donc je ne m'en soucie pas. Ce n'est pas un dipôle récepteur ou générateur, c'est un appareil de mesure. Donc sa tension ici à ces bornes vaut 0. Donc je me retrouve avec cette loi des mailles et on me demande d'en déduire donc UDE. Donc j'ai UDE, je vais l'isoler en passant UDE de l'autre côté. Donc UDE sera égal à UAF moins UCD qui est resté à gauche. Donc UAF vaut 12,0 volts. UCD, je l'ai calculé, ça vaut 6,0 volts. Donc j'ai fait 12,0 moins 6,0, j'obtiens 6,0 volts. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit diviser par deux. Il ne faut pas s'imaginer que la tension est divisée par deux quand il y a deux dipôles électriques. Absolument pas. C'est ici un hasard. Donc maintenant je connais UDE qui vaut 6,0 volts. Dernière question, déterminer les intensités I2 et I3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique. Donc là, j'ai deux branches dérivées dans le circuit électrique et je veux calculer donc I2 et I3. Donc, ce que je connais, c'est que je viens de calculer UDE, c'est-à-dire la tension borne de la résistance numéro 2, la tension borne de la résistance numéro 3, c'est-à-dire notre dipôle résistif, notre capteur résistif qui est ici. Donc, ces deux tensions ici valent 6,0 volts. C'est la même, c'est UED. Je vois qu'ici, je connais R. Je connais U, je connais R et je veux I. Ah ben. Il y a une formule qui ne fonctionne que pour les conducteurs ohmiques. Ah ben ça tombe bien, c'est un conducteur ohmique. Le symbole est un rectangle, c'est bien un conducteur ohmique. Donc je vais pouvoir utiliser la loi d'Ohm pour calculer l'intensité du courant I2. Donc les tensions, c'est ce que je vous ai dit, les tensions aux bornes des résistors R2 et R3 sont égales à 6,0 volts, car elles correspondent toutes les deux à la tension UED. En utilisant la loi d'Ohm sur le conducteur ohmique R2, je vois que elle me dit que UDE c'est égal à R2 fois I2. Donc UDE est connu, 6 volts, R2 est connu, 1,5 kilo-ohm, et je cherche I2. Donc je transforme ma formule en passant R2 de l'autre côté avec mon 6,3,2,
Ça fait I2 est égal à UED, la tension au bord du conducteur ohmique numéro 2, divisé par la résistance du conducteur ohmique numéro 2. Attention, pour avoir une intensité en ampères, il me faut une tension en volts et une résistance en ohms. Et là, la résistance est en kilo-ohms. Donc, il va falloir faire une conversion. La tension est bien en volts, 6 volts, et je multiplie cette résistance par 10 puissance 3 pour l'avoir en kilo-ohms. Là, il aurait fallu que je mette des parenthèses, je vais les rajouter. Voilà, j'ai rajouté les parenthèses, c'était 1,5 kilo-ohms, donc c'est 1,5 fois 1000 fois 10 puissance 3 ohms. Mais vu qu'il y a un symbole divisé, c'est divisé par tout ce qu'il y a entre parenthèses. Donc j'obtiens 4 fois 10 puissance moins 3 ampères, et 10 puissance moins 3 ampères, ce sont des milliampères. Donc ça fait 4,0 milliampères. Le 4,0 parce que j'ai deux chiffres significatifs. Dernière question ou dernière partie de cette question, c'est maintenant que j'ai calculé I2, il me faut I3. I3, c'est la tension qui circule dans cette branche. Pardon, c'est l'intensité qui circule dans cette branche. Le problème, c'est que là, je ne peux pas utiliser la loi d'Ohm, ben, vu que je ne connais pas R3, comme j'ai pu le faire ici. Par contre, je sais que je connais I1, je connais I2, et on me demande de calculer I3. Donc, je peux appliquer la loi des nœuds au nœud D. Donc, d'après la loi des nœuds au nœud D, je saurai que la somme des intensités qui arrivent au nœud, donc qui pointent vers le nœud, donc ici, il n'y a qu'une seule intensité qui arrive au nœud, c'est I1, est égale à la somme des intensités qui en repart. Et là, c'est I2 et I3 qui repart de ce nœud. Donc, j'ai I1 est égal à I2 plus I3. Et je cherche I3. Donc, I3 est égal à I1 moins I2. I1 vaut 6,0 milliampères, moins 4,0 milliampères pour I2. Là, je peux très bien travailler avec des milliampères, c'est pas gênant. Et j'obtiens des milliampères. Si je fais des milliampères moins des milliampères, j'obtiens des milliampères. Si j'avais fait des ampères moins des ampères, j'aurais eu mon résultat I3 en ampères. Mais là, il est inutile de reconvertir en ampères. J'obtiens donc 2,0 milliampères. Donc j'ai bien I2, j'ai bien I3, j'ai bien répondu à l'intégralité de mon exercice.